face complétée. Fesci envoie à droite. Le tir de loin. Oh, il vient de frapper le poteau. Arondel de retour au point d'appui. Passe transversale dans le point. Williams ne peut saisir. Poursuit son travail. Il en... Oh, il est frappé par Justin Falk. Solide contact. Ben, les contacts solides sont nombreux en ce début de match. C'est la deuxième fois que ça se produit. Pasternak, le tir, arrêt. Quelle fin de Pasternak. Un autre tir de Bergeron. Arrêt du gardien. Alors on est jusqu'à Tory Krug. Johansson ensuite s'avance. Johansson toujours. La passe, le tir. Oh, il compte! Matt Grzelcyk. La rondelle a semblé échapper à Peter Mrazek. Oui, j'ai hâte de voir comment il va gérer ça. C'est dans le match numéro 1, ça avait été, selon moi, assez difficile pour Mrazek. En avantage numérique consécutif au début de la troisième, et le match a basculé à ce moment. Alors c'est parti. Pasternak devant, disque dévié, arrêt, retour devant. Et goal! Jack DeBrusk! Puis en avantage numérique encore une fois pour Boston. Il n'y a personne pour déranger le travail de DeBrusk. Il a pris position devant le gardien de but. Retour de lancer, eh bien, ça va lui appartenir. Regardez, il fait dévier cette rondelle dans un premier temps. Difficile pour le gardien de la réaliser. Le retour de lancer, il récupère même par la suite et va doubler cette avance du côté des Bruins. Mais l'avantage numérique, il les a malmenés dans le match numéro 1. L'attaque va se poursuivre. Rifkin en bas devant, disque perdu. Johansson attend. Johansson toujours devant. Rondelle libre, un lancé. Et compte! Connor Clifton, 3-0 Boston. Alors, on a été incapable de marquer un avantage numérique. Et dès qu'on revient 5 contre 5, Boston fait 3-0. Oui, exactement. Et c'est un revirement, encore une fois, au centre de la patinoire. Regardez bien ici. Il va laisser pour Pasternak. Attention, attaque des Bruins. La passe, Krug, un tir. Oh! Il ne parvient pas à marquer. Mrazek a arrêté la rondelle. Excellent travail, excellente passe de la part de... Johansson a deux passes cet après-midi. Le long jeu. On entre dans le territoire. Cole remet derrière. Grzelcyk lance et compte. Matt Grzelcyk, deuxième du match. Deuxième but en avantage numérique pour Boston. Alors c'est 4-0. Les deux pénalités à Williams, les deux buts en avantage numérique par Grzelcyk. Oui, Renaud en parlait un petit peu plus tôt. L'entraîneur a dit discipline. C'est le capitaine qui prend deux pénalités. On marque deux buts en avantage numérique. Justin Falk, il est pourchassé. La rondelle derrière. Krug tire devant. Rondelle bloquée. Et un lancé. Et compte. David Backus. C'est 5-0. Rien ne va plus pour la Caroline. Alors, est-ce que c'est le but qui va envoyer McElhinney dans la mêlée? Ben, moi, si on ne l'a pas envoyé en début de période, je ne verrais pas pourquoi on va l'envoyer du côté de Brind'Amour. Alors, quand les deux périodes, le gardien de but a la chance. Tire à la glace, intercepté. Et ce sera la sortie de Bergeron. Bergeron s'avance, il attend devant et arrêt. Et compte! Oh, on se bouscule. Et ensuite, on a bousculé Heinen. Et Patrick, c'est 10 buts consécutifs pour les Bruins dans cette série-là. Oui, rien qui fonctionne pour les Hurricanes, vraiment. Et cette rondelle à Sébastien Aho. La rondelle va lui revenir. Falk al tir. Tire dévié et compte. Justin Williams prive tout Carrasque de blanchissage. Écoute, c'est dans une mince consolation dans cette rencontre jusqu'à présent, mais finalement, si on peut construire sur du positif de la part des Hurricanes, ça, on va le prendre. La passe devant, un peu trop loin pour Fogo. Rask sort de son filet, un cadeau. Teravainen lance et compte. Alors, Rask, un peu de frustration, donne un léger coup de bâton à un rival au passage, mais Teravainen fait 6-2 là. Les Bruins sont sortis très fort ce soir dans le match numéro 2. L'expérience, on a pris les devants rapidement. On n'a jamais regardé derrière par la suite.